La panne, qui a débuté à 21h26, est due à un incident au poste électrique d'Aiguison, Indre. Plus de 2 heures sans électricité. Quelques 270 000 foyers ont été privés de courant, jeudi 3 septembre, dans les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse, de l'Indre et de la Corrèze, selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE. La panne, qui a débuté à 21h26, est due à un incident au poste électrique d'Aiguison, Indre. Depuis 21h26, des milliers de foyers privés d'hashtag électricité dans l'Indre, la Creuse et la Haute-Vienne. En cause, un incident dans le poste électrique de Aiguison. Hashtag coupure arrobase villimol 87 arrobase grand guéret arrobase châteauroux 36 arrobase fobicreuse arrobase les populaires tiré bas frpic.twitter.com/41ndoujgu rte en sud-ouest arrobase rte tiré bas sud-ouest septembre 3 2020 depuis 21h26. 270 000 foyers privés d'hashtag électricité dans la Haute-Vienne, 163 000 foyers, la hashtag Creuse, 53 000, l'hashtag Indre, 54 000, et la hashtag Corrèze, 2400. Les équipes de arrobase Route Ouest et arrobase Enedis font leur maximum pour rétablir le courant. Arrobase les populaires tiré bas fr arrobase fbicreuse arrobase la rep tiré bas fr hashtag coupure pic.twitter.com/edf5ao6jb rte en sud-ouest arrobase rte tiré bas sud-ouest septembre 3 2020 le département le plus touché par cette gigantesque panne est la Haute-Vienne 163 000 foyers concernés suivi de l'Indre 54 000 de la Creuse 53 000 et de la Corrèze 2400. Sur les réseaux sociaux, des habitants de Limoges, Haute-Vienne, ou encore de Châteauroux, Indre, notamment ont dit avoir été plongés dans le noir. À hashtag Panazol et sur une partie de hashtag Limoges et Fetia, immense coupure d'électricité. Seule la clinique Chaigneux brille au loin. pic.twitter.com/qq20721b, Sébastien Dubois arrobase Sébastiche. septembre 3, 2020 Quelqu'un m'explique pourquoi le courant de tout le centre-ville de Châteauroux est coupé là. Arrobase LNDSFDT. septembre 3, 2020 Certains foyers ont commencé à être réapprovisionnés en électricité peu avant 23h. À 23h44, RTE a annoncé sur Twitter la fin de la coupure et présenté ses excuses aux personnes ayant subi cette panne de grande ampleur. Fin de l'hashtag coupure d'hashtag électricité dans les départements de l'Indre, la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze. @rte-sud-ouest renouvelle ses excuses pour la gêne occasionnée. @lafr@francinfo@lespopulaires-bas-fr@francintepic.twitter.com/88nwgrqf5c en sud-ouest @rte-sud-ouest septembre 3, 2020 à lire aussi sujet associé les blocs ADS. Why?